Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais enfin carreler mon entrebac de cuisine. Donc, dans une vidéo précédente, on voyait que j'avais placé l'accrocheur. Et donc, ce matin, j'ai placé mon carrelage. Alors, en préparation, j'ai vidé tout le plan de travail, tout le bordel. Ensuite, j'ai coupé le courant, j'ai retiré le cache de mes prises, j'ai décalé mes prises pour pouvoir faire passer le carrelage. Donc, ici, de part et d'autre. Au niveau pratique, juste ici, j'ai un angle. Donc je vais partir entier de cette zone-ci, à gauche et à droite, entier. J'ai déjà mesuré et coupé mon premier carreau, donc là je vais préparer ma colle et le placer. Je ne vais pas en coller directement au mur, je préfère en coller mon carreau parce que je ne sachant pas combien de temps j'aurai pour carreler aujourd'hui. Voilà, donc je mets une petite croix au sol pour ensuite venir faire mon joint de silicone. Et là maintenant, je vais passer mon carreau au niveau des prises. Alors, j'essaie de bien le mettre par rapport à ma ligne ici. Ouais, on va tricher un peu. Hop là. Moi, je ne suis pas adepte des gants. J'ai vraiment du mal à travailler avec des gants. Voilà, premier carreau placé. Voilà, maintenant, on va se préparer pour une deuxième coupe. Premier carreau placé. Les prises, ça devrait fonctionner. Donc ici, maintenant, je vais faire la deuxième coupe. Là, on a légère pression. On regarde si l'aplomb avec l'autre ça fonctionne. On vérifie toujours si ça ne dépasse pas. Alors ici, ce qu'on doit vérifier. Donc là, j'ai placé ma ligne. Je regarde si mes hauteurs correspondent de carreau en carreau. Ça me semble OK. J'ai respecté mon alignement au niveau de ma cassure. Et mes joints verticaux semblent équivalents aux différents endroits.
Donc voilà, la première partie du mur est faite. Ici on peut le voir. J'espère que ça donne pas trop mal. Ouais. Bon, on va continuer. Donc voilà, le travail est terminé, l'ensemble du carrelage a été placé, j'espère que ça vous a plu. L'ensemble ne donne pas trop mal, je trouve. Voilà, merci, au revoir et à bientôt.